Je vais ouvrir une boutique. Ce sera une boutique en ligne pour le moment. Faire partager tout l'avancement, ça pourrait être cool. En fait, ce sera un sort de vlog atelier. Un créateur qui fait des tests, qui travaille, qui partage ses journées. Hier, je suis rentré, il était tard, il était 18h30. Du coup, j'ai eu le temps de rien faire. J'ai juste répondu à quelques commentaires sur YouTube et mis à jour mon site internet, c'est tout. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va prendre des photos de l'ours en peluche pour terminer le montage vidéo du vlog 5 que vous avez déjà vu normalement. Et pour ça, je dois repasser mon fond blanc qui est un peu tout chiffonné et je sais pas repasser. Blanc correct là. Ah, c'est mieux. Alors, il y a deux jours, j'ai pas avancé dans mon projet parce que j'avais plein de choses à faire. Je suis rentré à 18h30, le temps de répondre aux commentaires sur YouTube, de changer quelques trucs sur le site internet, de le mettre à jour, et c'était trop tard. Du coup, hier, je me suis concentré sur le montage de la vidéo du vlog 5 que vous avez vu normalement. Et là, je viens de le terminer. Il reste quelque chose à faire, quelques petits trucs. Donc, ça s'exporte. Je vais m'occuper des newsletters. Je voudrais faire des newsletters sur mon site internet. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, vous savez, vous pouvez vous abonner sur mon site internet et recevoir des messages, des mails. Alors, ce sera tous les 10 jours parce que je peux en faire 3 par mois. Donc, tous les 10 jours, un message disant tout ce qui s'est passé. Voilà, un petit résumé de tout ce qui s'est passé. Jusqu'à maintenant, je me contentais juste de, quand je sortais une vidéo, et ben paf, je l'envoyais en mail. Mais là, j'aimerais faire quelque chose un peu mieux quand même, vu que je fais pas mal de choses dans la semaine et tout pour tenir les gens au courant. Et donc, on va faire des petites newsletters assez sympas. Alors voilà, j'ai terminé, ça change un petit peu de ce que j'envoyais d'habitude. Donc je vous invite à aller sur ma page si vous voulez voir tout ça. Hop, c'est sur le site. Hop, tiens, je le propose plus, il faudrait peut-être que je le remette. En fait, ça va vous le proposer, mais qu'au bout de quelques secondes que vous êtes sur le site, en haut. Bon, on a bien fait d'en parler. Du coup, j'ai rajouté un petit formulaire d'abonnement pour rentrer son adresse mail et recevoir l'actualité. Donc, 3 fois par mois, je pense. Alors, du coup, bah, j'ai répondu à quelques messages et tout. Donc, j'ai un petit peu tardé. Mais bon, ça, c'est fait. Ce qu'il faut maintenant, c'est que je liste les choses les plus importantes à acheter. Et comme ça, on va pouvoir faire les pâtes de fruits. Et il y a aussi pas mal d'emballages encore à acheter aussi. Allez, on tient le bon bout. Ça prend forme. On y croit. Et j'ai décidé de refaire un test de ma fiole. C'est parti. Bon, alors c'est pas trop mal, par contre je peux pas faire plus transparent que ça parce que sinon ce serait trop fragile. Je pense qu'il y a juste la petite cordelette qu'il faudrait faire un peu moins grosse, mais sinon c'est pas trop mal hein. Alors je l'ai collé le bouchon de liège, je sais pas si je dois le coller ou pas. Peut-être que je le collerai pas la prochaine fois et que du coup ça permettrait de prendre comme prévu les berlingots qui étaient dedans. Je sais pas ce que vous en pensez. En attendant, je pense que le vlog va s'arrêter là. Je suis pas là ce week-end, je vais voir ma famille que j'ai toujours pas vue pour les fêtes de Noël. Du coup, je vais essayer de me dépêcher, j'ai déjà juste avant fait le montage. Il me reste ce que je viens de faire à mettre dans le montage de la vidéo. Et je vais programmer, parce qu'on peut programmer à l'avance une vidéo pour qu'elle sorte. Et je pense que je vais la programmer pour samedi. Du coup, bah, on se dit à la prochaine.